Si le monde te reprend, et ton or et ton argent, si la pauvreté vient assombrir ton cœur, souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Shalom. Shalom, mon frère, ma sœur. Je crois et je pense dans mon fond intérieur que tu t'es bien réveillé, car le Seigneur ne fait que grâce dans nos vies. En ce matin, il nous appelle à être libres, à nous départir de tout ce qui nous alourdit, à venir déposer à ses pieds tous les fardeaux de nos cœurs, de nos corps, de nos pensées, tout ce qui nous empêche d'accéder à cette liberté à laquelle il nous appelle. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous connaissons Jésus et c'est Jésus lui-même la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et il nous demande aujourd'hui de venir déposer à ses pieds tout ce qui nous empêche d'être libres, car nous connaissons la vérité, lui. Nous allons tout abandonner à lui et lui laisser tout ce qui nous alourdit. Laisse ton fardeau. Alourdis ton cœur. Laisse tout ce qui assombrit ta vie. Laisse tout ce qui pèse sur le poids de tes épaules. C'est Dieu qui a le contrôle de toutes choses. Viens abandonner à lui tout ce qui t'alourdit et qui t'empêche d'avancer au large avec lui. Il te tend la main aujourd'hui et veut que tu avances en abandonnant à ses pieds tout ce qui peut être entrave à cette percée à laquelle il t'appelle. Car il dit qu'il nous a préparé d'avance de grandes choses.
Il nous appelle à tout ce qui est bon, agréable et parfait. Et notre Dieu est fidèle. Donc abandonne à lui tous tes fardeaux et avance avec lui au large. Ne regarde pas en bas. Laisse-les, laisse-les, laisse-les. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Il s'appelle Jésus. Si tu crois en Jésus-Christ, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse-les à ses pieds, laisse-les. Laisse-les, ô Dieu omnipotent. Si tu crois en lui, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Abandonne, abandonne, abandonne. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Il dit dans sa parole en ce matin: venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Moi, je vous donnerai le repos. Car mon joug est léger et mon fardeau est facile à porter. Faisons ce qu'il a dit et nous verrons que ce Dieu qui, même tombé trois fois, s'est relevé et est allé jusqu'au bout, ira jusqu'au bout avec nous. Donc abandonnons devant lui tous nos fardeaux. Laissons nos vies entre ses mains. Et nous verrons sa gloire. Abandonne tes fardeaux à Jésus. Abandonne tes fardeaux à Jésus. Abandonne tes fardeaux à Jésus. Il sait ce dont tu as besoin. Abandonne tes fardeaux à Jésus. C'est ton Sauveur, c'est ton Dieu. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur Jésus. Il sait mieux que toi ce dont tu as besoin, donc abandonne-toi à lui. Alléluia. Il ne nous abandonne jamais. Ce Dieu fidèle que nous prions ce matin, qu'il nous accompagne dans tout ce que nous entreprenons pour sa gloire. Lui qui ne nous abandonne jamais, nous nous abandonnons à lui et lui confions nos vies. Lui qui est le Dieu de tendresse et de pitié, le Dieu fidèle, qui est Père, qui est Fils et qui est Saint-Esprit.